الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله nous nous réjouissons de faire namaz jumu'a Allah subhanahu wa ta'ala fait qubul nos présences aujourd'hui nos sujets causerie jumu'a c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nos risques nourriture ce qui nous besoin tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne Ça, c'est nos iman, ça, c'est nos aqidah. Et tout le temps, nous besoin un tawakkul, nous besoin place nos confiances, là, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui Coran, qui hadith, une cause concernant ça, Allah subhanahu wa ta'ala, comme razzaq, khayrul raziqin, nous pouvons en prendre ça, inshallah. La surah Baqarah, numéro 212, Allah subhanahu wa ta'ala dit, والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى جنو كي الله لي دون ريسك الله لي دون نوريتور ا celui qui lui voulait بغير حساب sans حساب sans compte الله لي pas besoin rend compte à quiconque الله سبحانه وتعالى de son khazana pena limite الله سبحانه وتعالى donc lui donne risque à celui qui lui voulait بغير حساب sans حساب sans compte un deuxième ayat surah Hud surah numéro 11 ayat numéro 6 un très joli ayat الله سبحانه وتعالى dit وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله سبحانه وتعالى dit Peine à n'ayez qui marchait l'eau, la terre, peine à aucune créature qui marchait l'eau, la terre, l'eau, insan, les animaux, etc. Peine à aucune créature qui marchait l'eau, la terre, illa ala Allah, il risque qui Allah les responsable pour sa créature, la sa nourriture. Peine à aucune créature qui marchait l'eau, la terre, qui se nourriture, pas de responsabilité, Allah. C'est-à-dire, toute créature qui est là, c'est Allah qui provide banna, c'est Allah qui donne notre risque, c'est Allah qui donne notre nourriture. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne nourriture, et en même temps, lui informe nous quelque chose qui lui forme partie de nos aqidah. Nos aqidah, c'est Allah lui arrazaq, lui donne nourriture, lui donne risque. Et en même temps, nous dire Allah subhanahu wa ta'ala, lui al-alim, Allah est en connaissance, parfait de toute chose. Alors un kafir par exemple, il a dit, Allah est responsable pour nourriture de toute bonne créature, mais est-ce qu'Allah lui connaît qui créature était, dans qui place, dans quel endroit, quoi ça lui était? Allah dit oui. Wa ya'lamu mustaqarraha. Et sa créature-là, quoi lui était, quoi lui restait, ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala lui connaît. C'est-à-dire, Allah les connaît, qui nous là, nous dans Maurice, nous dans ça, l'endroit là, nous visons nourriture, et Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous sa nourriture là. Dans la mer,
parfois voilà de profondeur bien profond en dedans dans un poisson qu'Allah fin créé. Extraordinaire ça. Vous connaissez un bateau, hein, maintenant tu fais inventer, ensuite maintenant tu peux aller le Titanic. Celui qui nous suit l'actualité pour connaître mon pédia. Mais finalement, ça fin explose et du monde qui tient, un milliardaire qui tient, tu ne finis mot. 4-5 tient environ. Parce que les biens font là-bas. Hein, dès le là, la mer là, les biens font. Que Titanic fin noyé. Mais dans sa même profondeur-là, Allah fin créer certains poissons, certaines créatures, et maintenant, peut nager là-bas, maintenant, pas gagner rien. Maintenant, dans sa profondeur, la mer-là, sa poisson-là, ce risque aussi, Allah qui donne-les. Il n'est pas pour être vivant comme ça même, non. Il est aussi lui bien quelque chose pour manger. Mais ce risque, ce nourriture, dans sa profondeur-là, Allah peut donner-les. La montagne, disons, une fourmi, une rose, sa fourmi là aussi, sa nourriture, Allah peut donner. Allah dit, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا. Sa créature, quand elle est restée, quand elle était, Allah les connaît. وَمُسْتَوْدَعَهَا. Et sa place de retour, ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. كُلُّن فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tout quelque chose trouve dans un livre clair. Maintenant, sa deuxième ayat, nous avons une troisième ayat. Ça aussi bien joli. Surah An-Kabut, surah 29, ayat numéro 60. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit combien créatures est là. Et ça c'est un point de réflexion pour nous. Combien créature ena la tahmilu risqaha? Combien créature ena li n'a pas soyé ce risque? Li pas soyé ce risque. On va vous trouver par exemple, il peut soyé ce nourriture continuellement. Prenez un oiseau même par exemple. Un oiseau, est-ce que par exemple, il peut ramasser ce nourriture et il peut garder ça pour un mois après pour lui manger? Non. Si il gagne quelque chose, il peut soyer, il peut amener dans son nid tout de suite, il peut manger, son ban bacha pour manger, etc. Il pas soyer, lui, comme un insan. Insan, il prend sa provision, il y aller. Des mois, trois mois, un an. Il prend sa provision, il y aller. Mais combien de créatures il y a? La tahmilu rizqaha. Il pas soyer son nourriture. Mais seulement, Allahu yarzuquha. Mais quand il était sa créature-là, Allah donne son risque. Côte liété, n'importe quoi ça liété, Allah subhanahu wa ta'ala provide pour lui. Allah donne ce risque, wa iyakum, et au insan, toi aussi. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne toi risque, wa huwa sami'u l'alim, et Allah li tente tout, et Allah li na connaissance de tout. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala li razik, li razaq, li khayru raziqin, nous n'avons trois ayats. Nous avons dit un hadith qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin djanou. Premier hadith, un hadith bien intéressant. Hadith Bukhari 7378. An Abi Musa, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa ahadun, ou laysa shay'un asbara ala adhan sami'ahu min Allahi. إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافهم ويرزقهم. لجيا بينا نوعي وبينا بيرسون كي نا بليس باشانس كي الله سبحانه وتعالى. بينا بيرسون بينا نوعي كي نا بليس صبر كي الله سبحانه وتعالى. كيف هي على أذن سمعه من الله. Allah subhanahu wa ta'ala li tan certain manjimun kuma sot kose. Par exemple, man kafir, man ki attribué garçon à Allah subhanahu wa ta'ala ma'adhalla. Kufre ça. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Allah li pas papa qui ken, Allah li pas enfant qui ken. Allah li exempté des enfants. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pejano, pena personne qui n'a pas chance plus qui Allah, malgré Allah, l'itan soban créature, certaines ban créature, l'itan certaines ban jimon, attribuer quelque chose qui inattribuable à Allah. Je te fais shirk, je te fais kufre. Ban jimon là, je te paye dans iman de Allah comme abizan. Et Allah lui détestait kufre.
Allah li déteste shirk. Shirk, kufr, c'est ça guna qui s'enjimouen fin mo'l-ola. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les risques de jahannam éternellement. Allah protège nous contre ça. Allah de nous taufik nous prend nous iman nous aller. Alors malgré sa banjimoun là dans la dunya peut attribuer les enfants à Allah. Allah li tan ban la. Mais seulement wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Mais malgré ça, Allah se rahmat li autant grand qui sa banjimoun là, Allah donne zut la santé aussi et Allah donne zut risque aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire, sa manjimoun là, je peux attribuer ce qui n'est pas qu'il doit attribuer à Allah. Allah pas approuve ça. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut donner manna la santé et Allah peut donner manna risque. À quoi ça on trouve? Je dis manna peut vivre. Je peux vivre, parfois je peux vivre plus bien que musulman. Musulman demande, mais comment lui peut na iman, moi na iman, comment lui capable de vivre bien? Simple réponse, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit « Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir » Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit « Sa dunya là, il y a une prison pour un mu'min et pour un kafir, les jannat » Et ici là, il y a un mot qui nous servit « Pena nanye » ou bien « Pena personne qui a plus sabre qu'Allah subhanahu wa ta'ala » C'est-à-dire qu'il attribue le mot « sabre » à Allah, par chance. Mais rappelle bien qu'on nous cause « patience » et n'attribuer-li à Allah, ça pas mine, Allah il a sobre pareil comme moi et qu'on est sobre, qui nous gagne difficulté, après nous faire sobre l'Ola, non. L'imine, ce signification c'est, Allah subhanahu wa ta'ala, li pas descend sur azab l'Obanna. Allah li pas descend sur azab l'Obanna de dunya, au contraire, de dunya, Allah li donne zut la santé, et Allah ta'ala li donne zut risque. Maintenant, celui qui peut attribuer ce qu'Allah n'a pas approuvé, ce qu'Allah n'a pas apprécié, il peut attribuer ça à Allah. Allah peut donner le risque, mais nous, musulmans, qui quantité nous besoin à yakin, nous rab. Certainement, nous rab, il peut donner nous. Ce qui est dans notre taqdir, qui guide beaucoup, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut provide pour nous. Et, rappelle bien, comme on fait cet hadith, la dunya, là, les prisons pour un mu'min, dans sa prison, là, pas attendre, ou pour gagner tout ce qui est content. Impossible, ça. Il y en a beaucoup qui Allah il réservé pour mu'min de jannat. Là-bas, pour gagner ce qui nous en vit, inshallah. Deuxième hadith, parait de Sunan ibn Majah, Imam ibn Hibban, Imam Hakim fin rapport ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuhan nas, ittaqullah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit O banjimun, paye Allah. Wa ajmilu fit talab. Deuxième conseil, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, et cherche ban bon moyen, cherche ban bon moyen pour gagner ce risque. C'est-à-dire, travail, faire ses efforts, et route ban bon moyen, selon capacité, selon potentiel qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. On connaît tout du monde, même là, quelqu'un qui nous l'a présent là, nous tous nous pas pareil. Nous, chacun parmi nous différent. Si moi, je connais faire certains travail bien, c'est un travail qui ou connais faire bien ou pas connais faire. Alors, chacun a un talent. Chacun a un travail qu'il connais faire parfaitement. Moi, mon domaine, c'est l'enseignement. Ou domaine, c'est peut-être, ou travail bien, ou connais une plantation, ou comprend la pêche, etc., etc. Et rappelle bien, chaque travail, qui amène un la paix halal, lié un travail honorable. Oui, nous dit par exemple, il y a certains travail meilleurs qui les autres, à cause il y en a nisbat avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une autre affaire. Mais paix n'a aucun travail qui est déshonorable. Tiens, ça dépend dans la tête. Je pose une question d'une compagnie. Celui qui a ce iman, ce yaqin, le Allah complet, si une compagnie, il peut même respect pour sa pion là, pareil comment ça respect qu'il y en a pour manager là. Dans une compagnie, pour un manager, pour un man travailleur, pour un clerc, pour un pion, etc. Pas vrai? Chacun peut faire ce travail. Mais nous, en tant que musulmans, qui nous fait? Nous besoin non seulement respect pour sa manager là et pour sa pion là, nous peut un respect du tout? Non. Non. Il n'est pas bon ça. Si nous faisons, nous besoin sens nous aujourd'hui. Si nous faisons comme ça, nous avons un sens mentalité là.
Parce que ce soit manager là, que ce soit sa pion là, tous les deux quand pour mot pour aller dans même kabar. Ouais. Tous les deux pour aller dans même place. Alors chaque travail qu'un timoun peut faire halal, il peut faire ses efforts là-dedans, il peut travailler pour sa famille, c'est un travail honorable et nous devons respecter ce travail. Et nous devons retirer du monde. Parfois ça aussi, je ne connais pas. Et dans du monde, non, rien n'est pénant. Mais il rit son camarade. Il y a baissé son camarade. Et il passe ça à la tête de badinage. Pas rien, droit faire ça. Si un jeune, par exemple, il n'a pas fait travail longtemps, à celle il fait travail. Nous allons nourrir lui. Hein? Tu ne pas rester à cette tête, tu commences à travailler. Il bon, on fait ça. Ou bien on a besoin d'aller, on dit bien, bon, bêta. Tu commences à travailler, Allah donne-toi courage, Allah donne-toi barakat là-dedans. C'est comme ça qu'il nous besoin de faire. Alors, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit Ayyuhan nas, O Banjimun, ittaqullah, paye Allah, wa ajmilu fit talab. Et khud man bon moyen pour gagner risque halal. Travail. Travail. Alors, par exemple, quelqu'un est dans un travail, il peut travailler dans une compagnie, il peut travailler telle place, à part ça, il est capable de faire un part-time job. Mais plutôt, il fait un part-time job, qu'il y a le rendement, quelque chose qui est haram. Plutôt, il fait un part-time job, qu'il débute en bas la boutique, là-bas, il fait ribat, il veille tout du monde qui peut faire une zone. Ouais, pas vrai. Plutôt, il fait un part-time job. Alors, ajmilu fit talab. Nabi Karim donne conseil, cherche un moyen, un bon moyen pour gagner une nourriture, mais seulement, faire ces efforts-là, mais place ou confiance l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith-là contient, il dit, فَإِنَّا نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبَطَهَا عَنْهَا. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, tant qu'un djimoun li n'a pas fini gagner son risque, qui est là de ce taqdir, tant qu'il n'est pas fini manger ce risque, il n'est pas fini consommer ce risque, qui est là de ce taqdir, l'entamout, il n'a pas pour moi, ça du monde là. C'est-à-dire, route ou risque, travail dur, mais rappelle bien, risque, Allah qui donnait, et tant qu'on n'a pas fini manger, consomme tout risque, qui est là de ce taqdir, on n'a pas pour moi, wa in abatwa anha. Il dit, même si parfois, on trouve l'épévine en retard, arrivez ça parfois. Il est en retard pour nous, mais sinon de nous taqdir, tiens là pour nous gagner ce risque-là, ça l'est là. Fattakullah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit paye Allah, wa ajmilu fit talab, li redia, et cherche un bon moyen pour acquérir un risque halal, il dit khudhu ma halla wa da'u ma harum, prends ce qui est halal. Travaille pour halal, pas travaille pour haram. Travaille pour halal, travaille pour gagner risque halal. Wa da'u ma haruma, et ce qui est haram, quitte-li, n'a pas prend haram. Troisième hadith, ça c'est un très joli hadith. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith ça, Imam Tabarani, Imam Bayhaqi, par rapport à ça, de Shu'abul Iman, Imam Daylami aussi, par rapport à ça. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, qala Allahu, Allah fin dit, c'est un hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, inni wal jinnu wal insu fi naba'in azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comment certains djimoun et djinn agir est vraiment étrange. Comment certains djimoun agir vis-à-vis Allah est vraiment étrange. Alors, qui chose qui est étrange en Alada? Comment certains djimoun agir qui est étrange? Allah subhanahu wa ta'ala dit, akhluqu wa ya'budu ghayri. Allah dit, moi mon crée sa djinn là, moi mon crée sa insan là, mais sa djinn là, sa insan là, il prie et l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Étrange, non? Vous êtes ensemble avec moi là? Hein? Il y a un sommet, non? Il est étrange. Allah fait une créneau. Mais nous nous prions, Allah nous adore Allah. Mais Allah dit, il y a certaines, Allah fait une créneau. Mais lui, il y a d'autres et l'autre apporte Allah. Hadith ça contient, il dit, wa arzuku wa yashkuru ghayri.
Allah dit, moi me donne sa créature-là, sa djinn-là, sa insan-là. Moi me donne-lui sa nourriture, mais seulement les remercier, et l'autre apporte-moi. Hein? Allah peut donner nos risques, mais seulement nous, nous remercions, l'autre apporte Allah subhanahu. Ça nous bon Dieu, ça m'a dit Allah. Insan, comment toi pour venir bon Dieu pour toi? Insan, comment capable bon Dieu? Bon Dieu saisit Allah subhanahu wa ta'ala. Arzuku, Allah dit, moi me donne risque à sa bandala. Moi me donne risque à sa djinna, à sa insana. Wayashkuru ghayri. Et les remercier, et l'autre apporte-moi. Prochain hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم جاء لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت إمام طبراني في الغابوت سان لجي نبي كريم صلى الله عليه وسلم جاء سينجمون لسوفي avec son risque فكما جنجمون لسوفي avec son risque Mais sa risque là, même sa djimoun là peut sauver, li pou vin kote sa djimoun là, pareil, comment quand arrive l'air, solamo pou vin kote li. Mais bien, ce qui est dans nos taqdirs, ce qui est dans nos taqdirs, li pou vini dans nos plats. Zou l'air qu'il y en a pou vini, li pou vini devant nous. Vous imaginez sa plat de riz qui nous mange, nous venons, sa djipin qui nous mange là. Vous connaissez, dans Maurice, une plantée sa djiri là? Ça du blé là, ça la farine, est-ce qu'il y a Maurice une plantée ça? Allah connaît qu'il y a une plantée. Allah connaît qu'il y a une plante ça. Allah connaît qu'il y a un travail là-dedans. Allah connaît qu'il y a une export ça. Allah connaît dans Maurice qu'il y a une import ça. Tout ça là, nous ne connaissons pas. Hein? Peut-être nous connaissons ça supermarché quand il y a ça là. Et ça aussi, peut-être nous ne connaissons pas. Maman, papa connaît. Nous ne connaissons pas. Et nous take everything for granted. Nous avons un plan manger là devant nous. Nous ne bien manger, des plats nous ne bien manger. Après là, quand nous finissons de manger, quand nous peut laver la main, qui nous dit à pomme de terre là, pas bien cuit. Il n'a plus grand ni mak haram qui nous. Dis-moi au même, il n'a plus grand ni mak haram. Ou prépare manger là, ou donne du monde là. Et faire comme on dit vraiment pomme de terre là, pas cuit. Mais ou bandari ou en tout, on fait aux efforts, on cuit, non. Et rien capable d'arriver. Il est bien mange des plats. Vraiment, nous n'avons pas haram, non. Insan, aujourd'hui, il oublie vite. Il oublie vite. Pareil comme Allah dit, « Vous donnez le risque, voyez, je crois, il remercie les autres. » Allah, subhanahu wa ta'ala, son Rasoul, dit nous, « Si quelqu'un parmi les autres, il sauve avec ce risque, pareil comme l'amour vient côté les autres, comme ça même risque-là, finalement, il peut venir côté vous. » Sayyidina Rosepak, rahmatullah alayhi, le saumon nous était, Rosepak, un conseil important, il dit, « Oh, insan, n'a pas gain tracas excessivement pour au risque. » Et n'a un tracas qui nous bizarre un an pour grand matin nous lever, nous le travail. Ça bizarre un an, ça. Le travail pour nous provide pour nos familles, les forces de nous. Mais, gain tracas excessivement pour risque. On ne sait pas que j'ai nous, non. Pas besoin de gain tracas excessivement pour risque. L'hygiène, parce que sa quantité qui, toi, te paie ça risque-là, nourriture-là, il paie toi plus que ça. Quantité où, envie, risque-là, vincoto. Quantité d'efforts qui vous pouvez faire pour vivre devant vous, pour manger, pour consommer, pour servir, ça risque là, il peut faire plus d'efforts pour vivre côté, parce qu'il y a ce taqdir pour vivre côté. Alors, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne risque. Et un dernier hadith me supplie devant vous. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith parait dans le musnad de l'imam Ahmad, il dit, « Man atahu Allahu min hadhal mali shay'an min ghayri an yas'alahu falyaqbalhu » Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, « Si quelqu'un recevoir quelque chose, du bien dunya, il recevoir quelque chose sans qu'il ait demandé. Quelqu'un n'est venu min dunya en affaire, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, « Falyaqbalhu » Prends-le. C'est-à-dire, me préciser là, quelqu'un peut donner nous quelque chose qui est halal. Par exemple, nous sortons là, quelqu'un donne nous un takeaway. Qui nous fait? Nous prenons. Nous ne pouvons pas refuser, nous, vous pouvez comprendre? Alors, Nabi Karim, mais il est bizarre halal. Et il n'est pas bizarre une bribe.
Vous pouvez comprendre là. Et dans ce ban affaire qui fait l'ivin haram, mais en général, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit si apporte ça, li pas haram, etc., on gagne quelque chose sans qu'il vous demande, fal yakbalho, prends-li, accepte-li, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilay, parce que ça c'est risque depuis Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala finakoudu. Alors, finalement, sa même conclusion, il y a beaucoup de hadiths, le temps fini, c'est que risque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Zéfo, nous tous nous besoin faire. Nous besoin travail. Les forces, l'eau, nous, ça. Nous besoin travail, nous besoin provide pour nos familles. Surtout, papa dans la case. Époux, sous responsabilité, ça pour provide pour sa famille. Et quand il peut provide pour sa famille, chaque loukma qu'il peut donner sur madame, ses enfants manger, il peut gagner sawab, sadaqa, l'eau, là. Mais, travail là, besoin halal. Travail là, vis à jaïs d'après la loi chariot, nous faire tous efforts pour faire les bien, mais confiance nous pas garde le nous la fausse. Confiance nous pas place le nous talent, le nous l'intelligence ou bien le nous potentiel. Confiance, ta wakul nous vis à place seulement l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il s'existe Allah subhanahu wa ta'ala qui donne risque, c'est Allah qui a razak, c'est Allah qui donne nous ce qui nous besoin, inshallah, de dunya aussi, il peut donner nous, d'akhirat aussi, il peut donner nous, inshallah. Allah fait nous tout al de sa jannat, que tout jannati pour gagner ce qu'il y a envie, inshallah, wa ma'alina illa al-balagh.